Alors tout d'abord, vous voyez, nous sommes ici à l'intérieur de l'oreille moyenne. Le tympan a été relevé, ce qui permet de voir les différents osselets qui s'y trouvent. À ce niveau-là, au milieu, se trouve l'enclume. Ici, l'étrier. Alors on va séparer ces deux osselets tout d'abord pour pouvoir tester leur mobilité. So this is a case of a right revision tympanoplasty. What we have here on this right ear, we have a really narrow ear canal. I'm using a 4 millimeter diameter speculum, so it's pretty small. And we still do a transcanal approach. So this patient has been operated before elsewhere without any hearing improvement. And we can see that there is no problem with the ossicular chain anatomically, I mean. But I will need to separate the incus from the stapes first and then check malleus incus mobility and then the stapes mobility. We have a bony malformation here on the right, so hiding the round window niche, so it's very difficult to see the round window. I don't think we can see it. Il y a un aspect malformatif ici, vous voyez, d'une structure osseuse très très épaisse qui masque une bonne partie du fond de l'oreille moyenne. Ça peut quand même évidemment gêner la mobilité du montage qu'on va faire, mais enfin, pour l'instant, il n'y a de toute façon aucun moyen d'enlever cette structure. Alors, première étape, on va séparer l'enclume de l'étrier, des articulations. So I need to separate the incus from the stapes first. So I will go to the within the joint with the joint knife. All right. Voilà, donc ça c'est fait et on va pouvoir maintenant tester la mobilité du marteau et de l'enclume. So I'm checking our malleus incus mobility and you see that we have a very strongly fixed malleus here. Voilà, on a donc un blocage du marteau, puisque si je touche le marteau, on voit bien que l'enclume ne suit pas. L'étrier, quant à lui, est strictement mobile. So the stapes is perfectly mobile. The incus also is mobile, but the malleus is fixed. Okay, so it's a malleus epitympanic fixation, which is in this case again a congenital malformation. So what we need to do here, I will perform an ossicloplasty, of course, using a TORP. Many surgeons would use a PORP, but as you know, I'm using TORP now since many, many years with the sinelastic bending technique and the malleus relocation technique. We need first to enlarge a little bit the bony rim resection, un plus gros s'il vous plaît avec curette, because I will relocate the malleus, so we need to be sure that there would be no contact between the malleus and the bony the canal, the external auditory canal. So I just need to make a groove here. Voilà, on va juste agrandir un petit peu l'encoche ici pour être sûr qu'on va pouvoir ramener le marteau en arrière et ensuite on va commencer à travailler au niveau du marteau, le premier osselet. Donc on a un blocage du marteau avec un étrier mobile. La technique consiste à remplacer l'enclume par une prothèse qui va être placée entre le marteau qu'on va repositionner en arrière et l'étrier. So the first step here is to dissect the malleus handle. So we will use calmement du marteau, a fine needle, because of course, as usual, to do this, we need to separate the incus from the malleus from the tympanic membrane, and you see that it is so narrow that it's difficult to have access to the malleus here. So I'm performing a periosteal incision and I will elevate the periosteal flap. Donc, si vous voulez direct. Oui. Non, pardon, cannelé normal, cannelé normal. Oui. C'est un aspirateur de combien ça? C'est un aspi de combien? Ok. It's very difficult here because it's really narrow. But I still want to perform, of course, transcanal. Voilà, c'est assez compliqué parce que, évidemment, j'ai pas beaucoup d'espace de travail.
Alors, cannelé encore. Voilà, donc là on a séparé entièrement le marteau. So you see the mallet is totally separated from the tympanic membrane here, and I will now remove the incus. Voilà, maintenant on va retirer l'enclume, crochet os. And of course, this is really difficult to remove the incus transcanal here because it's, again, it's so narrow. So I need to pull the incus downwards and try to dislocate it. Secondly, here we go, crochets. Voilà, je retire l'enclume et c'est pas facile parce que on a un conduit dans votre cas qui est tellement étroit qu'il faut trouver le passage et c'est vraiment pas évident du tout. Voilà. So now we need to relocate the mallet. So the next step is to cut the tympani tendon. C'est où les direct? And now we need to overstretch the anterior ligament and break the epitympanic ankylosis. So I need to use a hook. Crochet. Non, crochet. Voilà, on va aller ramener le marteau en arrière maintenant. De façon à pouvoir. Voilà, vraiment un blocage très très important du marteau. I'm not even sure that I will relocate it. Yes, it's fine. I can do it. So it's a progressive mobilization here, like this. So it changed the position of the mallet, and we think that by doing this, we decrease the risk of recurrence of ankylosis because, of course, we change the position of the head of the mallet also, which is the cause of the mallet infection usually. So now we have a nice position of the mallet. On a une jolie position maintenant du marteau. Juste au-dessus de la tête de l'étrier. Ciseau. So of course I will use a combined technique of mallet relocation, which I already did, with the silastic bending technique. So now we need to prepare the silastic bending technique. So I need to cut the stapes tendon. Voilà, je coupe le petit tendon de l'étrier ici pour attacher. Vous allez voir la prothèse tout à l'heure à l'étrier. Un œuf, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on a un marteau mobile maintenant et un étrier mobile. Il nous reste juste à reconstruire. Alors, canner, il faut crocher d'abord. Il faut d'abord qu'on mesure la hauteur entre le marteau et la platine de l'étrier. So I need now to measure the distance from the mallet to the stapes foot plate. So we need to stick the tympanic membrane back to the, or the mallet sandal back to the tympanic membrane first, because I need to be sure that I will measure from the right position of the mallet handle. Ah.
Okay, mesureur. So now I can measure. You see, I take a little bit of time to be sure that I'm having a right position. Now I think it's fine. Oui, c'est évidemment assez court. On est à 5,50. So I think 5.5 will be fine for in term of prosthesis length. Because this is 5 millimeters, 5,50. Crochet hausse, s'il vous plaît. Ciseaux. Crochet hausse. Voilà, 5,50, c'est donc la longueur de la prothèse. Mesureur encore, je vais quand même remesurer. I take a little bit of time to be sure about the length. That's a major point. Because if we cut it too short, then of course it's not going to work. No, but I think 5.5 is fine. Voilà, 4,50. Alors, cannelément du marteau. 5,50. 5.5. Cannelément du marteau. L'alto, hein. C'est ça. Voilà, on va donc maintenant préparer cette prothèse. Les prothèses de Grace, donc, qui sont construites avec un petit anneau, vous allez voir, qui permet d'attacher cette prothèse à l'étrier. Et avec une tête en hydroxyapatite, vous la voyez à gauche ici, avec une encoche qui est destinée à recevoir le marteau. So we need to cut it at 5.5, which means 4.5 first, and then pull back to 5.5. Okay, now I think it's fine. Voilà, allez, on va aller placer cette prothèse. Donc ça va être assez compliqué parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'espace de travail. Un œuf d'abord, s'il vous plaît. So of course you see that the gap is very narrow here. So that will be probably really sometimes something difficult to place this prosthesis. I may have to drill out the prosthesis head if necessary. I tried it like this, and if I cannot place it, I will have to drill out the prosthesis head to decrease the thickness of the head. Un douze, hein, c'est ça? See, it's too big, so I need to drill out this process. Bon, vous me préparez la fraise, s'il vous plaît, une fraise diamantée. Voilà, il faut travailler la tête de la prothèse, elle est trop grosse pour le cas, je ne peux pas la placer. Donc on va essayer de réduire un peu le volume de la tête pour qu'on puisse le placer. So that is the interesting thing with the hydroxylapatite prosthesis, is that you can really work on that just like bone. And in that case, that is really important because it's really too big for the case. So you can clearly change the shape and the size of the prosthesis to accommodate any surgical condition, which is pretty difficult here. Cannelé, s'il vous plaît. So what I will do, I think I will try to, of course, drill out from here to here, and same on the other side, a little bit decreasing
the length, the size, the width out here of the prosthesis head. So I'm using a diamond dust burr to perform that because, of course, I don't want to break the head. On va me mettre un peu la roselée aussi, s'il vous plaît. C'est pas plus, il n'y a pas plus petit. Bon, allez-y. Allez-y. Tenez. Oui, c'est mieux. Mettez celle-là. Et la mettez pas trop longue. Hein. Pas trop longue. Oui, non. Là, ça vous va comme ça? Oui, c'est bon, là. Oui, s'il vous plaît. Allez-y, en permanence. Alors, mettez la plus grosse, là, parce que celle-là... Oui, la précédente. Arrêtez deux petites secondes. So you really, you can see that I'm really trimming this prosthesis with the, and this cannot be done if you use a titanium head prosthesis. This is why I really like Adduxlaptide. Better than titanium in this situation. Also the fact that it's HA, we don't need any cartilage interposition because HA is really well tolerated by the tympanic membrane. Arrêtez deux petites secondes. Okay, so we'll do the same on the other side and we'll have a better shape then. Voilà, je suis en train donc de travailler la prothèse parce que c'est tellement étroit, la fraise encore, qu'il faut vraiment qu'on... On ne peut pas placer la tête telle qu'elle est, elle est trop volumineuse. Donc je change vraiment... Allez-y, arroser s'il vous plaît. Allez-y, arroser. Le matériau, c'est ce qu'on appelle l'hydroxyapatite, c'est ce qui permet de travailler la tête comme ça, de façon à... C'est presque la même composition que celle des osselets, ce qui permet de sculpter en quelque sorte la tête et de changer sa forme. Voilà, donc là c'est quand même déjà nettement mieux.
Très bien. So I think I will try with this new size and shape of the prosthesis, and I think it should be okay. Encore un peu, s'il vous plaît. I need to drill out a little bit on the right again. Still too large for the case. Okay. Ok, let's try. On va essayer donc maintenant de un œuf d'abord, s'il vous plaît, de replacer cette prothèse pour voir ce que ça me donne. So you understand that I usually I routinely cut the stapes tendon as long as I can like this, so that I will place the band underneath the tendon. Okay, and those. All right. So first, trying to place the shaft and the shoe. Can it? S'il vous plaît. You see, it's better now because the size is smaller. I'm talking about the prosthesis head, but I need to place it on the other side of the quarter tympani. And this is, of course, pretty tricky because of the gap that we have. Here we go. I think the shaft goes down nicely. So it's pretty good now. You see the distal tip of the shaft, which is connected to the stapes foot plate. On voit bien que là, le fût de la prothèse est en contact avec la platine de l'étrier. Il va falloir ensuite que, trois de chouk, je puisse passer maintenant l'anneau. Attendez, cadenet d'abord. Cadenet. Autour de l'étrier. So the next step will be to place the band around the stapes head, of course. And then at the end only, I will place the Mali sandal within the groove. Trois de chouk. So this is why we really need to have both hands free to perform that, otherwise that's not possible. Calmez, s'il vous plaît. So we do it stage by stage. I will change again the position of a prosthesis head later on. The first point is to pass the band. It's difficult here, really difficult. Trois de chouk, s'il vous plaît. Okay, now it's done. So you see that now the band is attaching the prosthesis shaft. Can they? And now I need to reposition the prosthesis first. So we need to turn the head, and it's easy to do that. So we have a nice vertical, you see, final position. But of course, what I want to do here is to introduce the malice within the groove. Cannelé, un 9 s'il vous plaît, un même un 7 d'ailleurs. So now we have a nice attachment of the prosthesis to the stapes thanks to the band. You see the band here underneath the tendon here. So it's very nice. If I touch the prosthesis, you see that the stapes is moving at the same time. So it's just like a single unit. Okay, another last step is to introduce the malice handle within the groove.
table en avant, s'il vous plaît. Voilà, donc la prothèse est bien attachée à l'étrier. Stop. Et il nous reste maintenant, calmez, s'il vous plaît, à introduire le marteau dans l'encoche de la tête. Crochet os. And then it's turned a little bit, but it's not a problem because you notice that we can really move the head like this and then introduce the malice within the groove. Here we go. Now it's fine. We have a nice connection between the malice and the prosthesis. And you see that if I'm touching the malice, now we have a nice position. Voilà, donc là, l'aspect final est satisfaisant avec un bon contact avec le marteau et avec l'étrier dans la profondeur. Si je touche le marteau, vous allez voir que l'étrier bouge très bien. So I'm now mobilizing, touching the malice handle. And you see that they are moving together. Everything is moving just again, just like a single unit, which is really, really efficient. There's no tilting. So it's working really nice and it's pretty stable here. Voilà, donc l'aspect final est vraiment tout à fait satisfaisant avec un bon ancrage ici du marteau dans la tête de la prothèse. Donc je vais rabattre maintenant le tympan. So now what we need to do is to replace the tympanic membrane plus the external auditory canal. So I mean the tympanometal flap and see if the tension looks good, which is pretty good. You can see the new position of the malice handle here. And we need to re-elevate and check several times to be sure that it's fine. But you see that everything looks fine. You see also the position of the quarter tympani, which is also helping to stabilize the prosthesis head. Everything looks fine. So I have finished the surgery. So I just replaced the tympanometal flap and put a merocell within the external auditory canal. Je vais couper le merocell, il sera trop gros. Hein? So I need to trim the merocell because the canal is too narrow, so I need to make it shorter, of course, narrow, small. Voilà, on va tailler le petit pansement parce que votre conduit est tellement étroit qu'on n'arrivera pas à mettre un merocell normal. Donc je pense que là, ça devrait fonctionner. Donc ce petit pansement que je vais mettre dans le conduit auditif sera retiré au cinquième jour avec un audiogramme réalisé le lendemain, c'est-à-dire au sixième. So you remember that we have a very strange bony plate covering the round window niche? Allez-y, this is a malformation of course, it's bone. So this could lead to malfunction of the round window membrane? I don't think so, it seems to be at a distance from, but we never know. So this could be a problem, of course, for the functional result. But the final reconstruction anatomically looks pretty good. Voilà, donc ce petit pansement, je le retirerai au cinquième jour avec un audiogramme le lendemain, en sachant qu'on n'a pas forcément de résultats immédiats, l'amélioration pouvant s'étaler sur plusieurs semaines. Donc nous nous reverrons de toute façon au troisième mois. Il y a quand même un élément qui peut nous empêcher d'avoir un bon résultat. C'est cette anomalie osseuse que je vous ai montrée sur la droite, couvre complètement la partie inférieure de l'oreille moyenne et qui peut gêner la mobilité des liquides au niveau de l'oreille interne. Tout ça, nous le verrons ensemble. Et dans ce cas-là, bien sûr, il ne pourrait pas y avoir d'amélioration. Et on ne peut pas d'ailleurs fraiser, retirer cette structure osseuse. Il y a des risques beaucoup trop importants. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.